Président, avant même que DDO réponde à la question de poser, je recommande le bureau pour le bureau demander si SPN, non, parce que le PM est encore là, il liquide les affaires courantes. Le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, les deux sont encore là, ils liquident les affaires courantes. Nous avons recommandé pour le bureau demander au procès verbal de rencontre qui est faite le 5 là. Et il a fait nos droits à demander ça parce que nous l'avons contrôlé. Et deuxièmement, je ne sais pas si je suis trop fort, nous avons pour DG, dans le procès verbal, voué par le bureau, procès verbal réunion, qu'il a fait avec mon idylle de réunion pour passer l'ordre. Nous avons justement pour le voué procès verbal réunion ça ici à Bounon. Parce que je dis, c'est la parole du DG, contre ma parole. C'est la parole du DG, contre parole, pardon. Donc, nous avons besoin des éléments écrits, des preuves, n'est-ce pas, de formalité qui permettent que justement nous arrivions à joindre une vérité que nous avons cherchée. Donc, il y a des outils, n'est-ce pas, à conviction, tant que procès verbal, nous avons des outils, ça y est. Procès verbal réunion 5 juillet, si SPN n'a été fait qu'à Premier ministre là, avec procès verbal rencontre que déjà dit, il était fait, avec mon lit, il était invité. Merci beaucoup. Nous avons là. Oui, dernière zone d'ombre, je vais vous arrêter avant que il sorti dans bas devant pour aller dans bas derrière. Directeur général, l'on parlait à minuit avec le Premier ministre là. À quelle heure il va le monter gaz là? Oui, qui joue, qui l'heure il va le monter gaz là? Qui ça a annoncé où? À 11 du matin, à minuit, il va lancer des gaz là. Attendez, laissez le soin au sénateur Dumont d'adresser sa question directement et en des termes clairs au DG. Oui, non. Pourquoi reprendre la question, peut-être DG à directeur général, dans la réunion CSPN avec le Premier ministre là, ministre de la Justice, ou non réunion avec eux. Et il s'agit de la hausse du prix des produits pétroliers. Ils ont dit ou ils ont annoncé ça, il faut qu'ils prennent mesure parce qu'ils ont senti que le peuple n'a pas d'accord avec bagaille là. Information que ont eu, c'est ce qu'on appelle les circonstances de Quintilien. Qui, quand, quoi où? Comment, pourquoi? Sous quand, qui ça a été dit? Qui joue, qui le? Le, n'importe qui moun allé dans yon pompe, et puis il tape saisi, ouais, que li pa pris, que le te ye ye ya, jodi an li, combien? 38% en plus là. Oui. M'attendo, directeur général. Merci, honorable Dumont. Jeudi 5 juillet 2018, pendant nos rencontres CSPN, Premier ministre a informé nous à minuit, décision pour augmenter le prix gaz là. L'a sorti. Ok. Nuit 5 au 6. Minuit. Donc à 1h du matin, à minuit 5, si on passe nos pompes gasoline, ou tape obligé acheter à prix, à nouveau prix. Parfait. À quel moment qu'on a eu vin diou, li pap monte encore, pap annonce pour 1h du matin, hein, pour minuit, hein, et que finalement, yo fait le pas de mat Brésil là? Non, demain. Non, échange avec homologue, moi, non, minuit juste. Nous t'avons questionné encore. Est-ce que finalement, décision a été prise? Ce qui veut dire que pendant la journée, la matinée du 6, ou pourquoi il y a décision. Des véhicules vieillissants qui ont acheté depuis plus que 5 à 10 ans, c'est PNSA, on leur a demandé pour quitter, gérer la situation sans casse. Nous juste espérer
que la prochaine fois, pour avoir de meilleurs résultats, que vous allez aider Ngoumen, même si vous allez aider Ngoumen pour ajuster le salaire, vous allez aider Ngoumen pour nous moyens pour nous avoir de meilleurs résultats. Merci. S'il vous plaît. Alors, pour, quant à, s'il vous plaît, pour DDO, nous avons dit que là, nous avons avec nous le directeur général de la police. Et comme de fait, c'est le directeur général de la police là seulement, et lui-même seulement capable de décider de l'opportunité ou bien de l'inopportunité pour le bail DDO intervenir. Alors, si ce n'est pas nécessaire, n'a pas capable de passer DGA message là pour DGA lui-même transmettre message à vous et répondre à question à vous. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Pour ça, parce que s'il y a le premier ministre présent dans la salle, très certainement, le premier ministre doit décider s'il adresse un ministre, même pour répondre comme le premier des ministres. Oui. Alors, nous devons peut-être nous garder des questions et responsabiliser un niveau ça. Président, pour la commission, nous avons souhaité que DGA by DDO autorisation pour répondre, parce que moi, j'étendais DDO à en conférence de presse. Moi, t'as aimé que le réponde devant nous là. Très bien. S'il t'est adressé à là, très bien. T'as aimé que le réponde à la question, président. Ok. Pas contre l'idée. Hein. Seulement, n'a pas dit dans l'état actuel des choses, avec situation de, je ne vais pas utiliser un terme fort de déliquescence institutionnelle. Autant que nous capables de faire pour nous essayer, qu'aimer, renforcer, pour nous capables, etc. Mais de toute façon, sur insistance des sénateurs de la commission aussi, et de la commission DG ou gain la parole, et s'il y a lieu passer la parole by DDO, la parole au TDG. DG, alors il n'a pas invité DDO lui même pour le prendre micro pour capable répondre à question honorable sénateur Cantave déposé. Merci beaucoup, c'est une façon de respecter les procédures. Honorable président, honorable sénateur, merci directeur général de m'avoir accordé la permission de répondre à la question. Le 5 dans l'après-midi, donc j'ai été instruit de prendre des mesures pour annuler les congés et les permissions. S'il vous plaît. Oui. D'accord. Alors, n'a pas d'accord avec moi que nous avons deux langues officielles. Tant qu'on nous fait ici à notre Sénat, yo ka fait tout partout. Mais cependant, non, rien a, pas de rien qui te dit que jodi a faut que yo parle créole ou bien français. Et Salomon, le sénateur Salomon, vous comprenez, en bon français, sont exprimés là tout à l'heure. Hein? Et ça permet quand même, pour permettre que tout le monde comprenne. Oui. Nous permettre que le directeur départemental l'Ouest soit intervenu en créole. Nous t'a conseillé ça vivement. Merci beaucoup. Oui. Alors, dans l'après-midi 5 juillet, DDO te recevoir instruction pour que l'IT soit capable de passer, informer tout commandant dans le département l'Ouest pour prendre des mesures et pour annuler congés et permissions. Dans ce sens, des points aux mesures administratives qui se référence 03-513-18/D/DDO-PNH/P qui pote rubrique avis numéro 2. Donc, on pote à connaissance de tout policier en général, de responsable serviciaux, UDMO, BOY, responsable police administrative et police judiciaire et responsable commissariat sous-commissariat pour nous demander au contenu de conjoncture pour eux, et suivant l'instruction du directeur général là, que tout congé annuel et permission annulée. Et nous demandons pour prendre toute disposition pour mobiliser les policiers dans le poste pour assurer que la PNH visible à travers les rues de la zone, dans la zone métropolitaine, non, pour assurer permanence 24/24, pour protéger et assurer sécurité route nationale, président, toute action, tout pont. Une minute, c'est le jeudi 5 juillet. Oui, jeudi 5 juillet. Merci. Et nous demandons au tout pour yo assurer toute sécurité. Nous demandons puis au fond une gestion intelligente de effectifs là pour permettre que nous sommes capables de kembe. Et DCPA a annoncé moi que m'a gagné unité BIM et
compagnie intervention maintien d'ordre qui relevait de lui-même qui a venu en renfort pour être capable de compléter le dispositif ça. Décision ça, il prend le 5 juillet dans fin après-midi. Très bien. Et l'autre question, et sénateur a déposé, c'était concernant est-ce que vous avez un contrôle effectif là dans 6-7. Alors, comme le directeur général l'a exprimé déjà, donc tu as un problème policier qui pat là. DDO, tu es tenté avec l'autre décision, dispositif administratif, avis numéro 3, parce que policier policiers ont bloqué la caille. Nous, tu prends contact avec responsable service dignité pour nous être capable de joindre à disposition quelques bus. Et ils te mettaient 4 bus à disposition. Nous. Mais nous t'ai demandé, alors par communication radio, de base DDO, pour t'informer tout policier qui relevait des DDO, pour yo t'es allé dans commissariat et sous-commissariat qui pi près. Et que président, nous la question était simple. La question était laconique. DDO, avez-vous oui ou non le contrôle de vos troupes le 6 et le 7 juillet? C'est ça la teneur de la question, président. Donc, nous n'avons pas obligé de chercher midi à 14h, ni aller par quatre chemins. Je vais avoir des réponses précises pour une question précise, laconique. Oui, honorable sénateur. Alors, 6-7, situation l'Isalia, gain la RIC bloquée. Donc, nous avons une situation de crise. Donc, dépassé DDO. Donc, directeur central police administrative, DG, tout le monde vini à faire autant que vous capable pour capable et gérer la situation. Donc, le DDO n'était pas seul à bord. Donc, il était gain support de DCPA et DDG qui lui-même, qui, à un moment donné, passait des instructions directes. Mais la situation était grave, il demandait ça. Président, nous allons prendre un autre point. Consigner le point dans la minute. Là. DDO a dit que DDO a été dépassé. Mettez-le là pour moi quand même. Ça sera qui extrêmement important. Le DDO a été dépassé. Mettez-le là pour un temps pris. Motion. Accordé au sénateur. Sénateur que tu dois interpréter ou comprendre que. Non, DDO, président. Je m'excuse, président. Non, on est en train de me faire dire. On est en train de me faire dire ce que j'ai pas dit. Je n'ai pas entendu. Le DDO a dit de façon littérale. Textuellement que le DDO a été dépassé. Je n'ai pas entendu. Et je demande que le mot dépassé soit consigné. Je demande que le mot dépassé soit consigné dans la minute de la séance. De M. Soljou.